Bonjour, vous êtes monsieur Daniel Eba. Est-ce que vous pouvez nous parler deux mots de la formation d'aujourd'hui? Nous faisons une formation pour la Fondation R, qui est le cours de RCR dans les écoles. C'est une fondation qui est canadienne au complet. Moi, je couvre certains territoires du Québec pour la Fondation R. Alors, mon objectif aujourd'hui, c'est de former des professeurs, des éducateurs physiques, techniciens en santé, etc. Pour eux, puissent dispenser la formation de 4 heures de la Fondation R. Alors, l'étudiant est habilité à faire la réanimation cardio-respiratoire, une sensibilisation avec la population. Alors, présentement, aujourd'hui, on fait 4 heures de formation pour les encadrer, est-ce qu'il y a la bonne technique d'enseignement. Vous avez eu combien d'enseignants aujourd'hui? Présentement, on a 11 enseignants. C'est un groupe en moyenne de 10-12 enseignants. J'ai des gens de Saint-Anselme, Saint-Damien, Saint-Pamphile, Montmigny, Lévis. Alors, on couvre ces grands territoires. Ça, c'est des quoi? Position latérale. Position latérale. D'accord. La victime respire, son cœur bat, elle demeure inconsciente. Alors, on ne peut pas la laisser sur le dos. On doit la coucher dans l'intention que pour libérer ses voies respiratoires. OK. Ouais. Je vais voir son état de conscience. Madame, entendez-vous? Alors, elle était consciente. Alors, est-ce que tu pourrais appeler le 911 oui. Et revenir avec le DEA aussi? Pas trop loin. Alors, je vais regarder dans vos s'il y a quelque chose. Il n'y a rien. Donc, je vais regarder, écouter, sentir. Il faut aller vers l'étudiant qui amène un bagage d'informations. Et aussi, qui amène aussi une sensibilisation. Tout à l'heure, cet après-midi, on parlait des signes et symptômes de crise cardiaque. Mais les signes et symptômes, cet étudiant-là qui repart avec ça, il va dire « Papa, vous êtes mon papa. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je me sens pas bien, j'ai mal à la poitrine. Mais papa, j'ai fait mon RCA, puis peut-être c'est un problème cardiaque, je ne sais pas. On va appeler l'enfant. Non. Mais l'enfant va probablement convaincre plus son père que son épouse de dire « On va à l'urgence. » Il va dire « J'ai fait un cours, puis ça fait ça. » Tu sais, c'est d'amener le parent à l'urgence, une belle d'envoi, faire un arrêt cardiaque à l'urgence. C'est mieux que ici à l'école. S'entends-tu? Et ça, ça vient de sauver beaucoup de monde. Ouvrir les voies respiratoires. Oui, je vois ce qu'elle dit. Appeler des formateurs, ça n'a coûté cher à l'école. Je pense que c'était 15 $ par élève pour avoir 4 formateurs pour former les jeunes. Malheureusement, comme point de départ, il y a eu un décès à l'école. Il y a un prof qu'on a retrouvé dans son local, mort. Et le lendemain, ou le surlendemain, on commençait la formation. Et ça a été un déclencheur extraordinaire. Et surtout que plate, mais extraordinaire, parce que ce prof-là était le prof de ses élèves auxquels j'avais donné cette formation-là. Et depuis ce temps, ben, elle se donne à mon pasteur. Bonne compression. Ça, on dit, c'est l'exercice, c'est deux minutes d'intervention, voilà. Vous pourriez l'essayer après. Ne pas toucher la victime. Analyse en cours. Il y a deux choix. Chaque conseiller, vous êtes chanceux. Ne pas toucher la victime. On regarde le patient. Bouton de choc. Choc délivré. Commencez la réanimation. On pourra la réanimer. Oui. Bravo. Mettre le défibrillateur pour la formation. Je donne les instructions. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'on doit faire, à quel intervalle, et tout ça. C'est une situation d'accident, ça fait la même chose. Donc, même quelqu'un qui n'a jamais fait ça avec un appareil comme ça suit les instructions. C'est qu'il faut l'avoir avec, à portée de main. Oui, c'est pour ça qu'il faut qu'il y en ait beaucoup plus que présentement, il y en a au Québec. Au Québec, on est vraiment en retard, disons, sur ça, là. Dans les arénas et tout ça, il devrait en avoir partout. Mais vous avez appris quand même à faire la réanimation sans cet appareil-là? Oui, c'est quelqu'un qui n'a jamais fait ça, qui est seul, il voit une boîte comme ça, tu peux le faire très facilement.